rapport, en tout cas peut-être aux expériences que j'ai vues, mais peut-être pas forcément dans le lien avec les sciences, mais pour inclure la population dans toutes les questions de société, je trouve que c'est une démarche particulière et une méthodologie où il faut pouvoir inclure en amont la population, mais c'est, on a toujours des belles phrases, mais il faut, c'est hyper compliqué, je crois, en tout cas en France. On a des exemples, je trouve, dans d'autres, enfin moi qui ai fait des études un peu de sociologie, voilà, au Brésil par exemple, je crois qu'il y a une implication beaucoup plus forte de la population sur toutes les questions de démocratie générale, quoi, sur les questions générales de la société. Et je ne sais pas en France pourquoi ça bloque un peu, je ne sais pas s'il y a des retours d'expérience où ça fonctionne très bien, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs, mais on a un peu une, peut-être aussi le côté hiérarchique de la personne qui prend la parole par rapport aux citoyens, je ne sais pas, c'est peut-être il faut arriver aussi à générer la parole, je crois, entre les citoyens et la personne qui donne l'information et qui vient pour parler d'une thématique aussi bien de la science, aussi bien d'un projet d'aménagement du territoire, enfin ça peut être tout, quoi. Voilà. Je ne connais pas la méthodologie, mais voilà.